Pourquoi vous devriez avoir une page de capture? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour vous signifier l'importance de créer une page de capture, que ce soit pour vos blogs, vos réseaux sociaux, vos chaînes YouTube, vous avez besoin d'une page de capture. Mais avant cela, on va voir ce que c'est qu'une page de capture. Donc une page de capture, c'est une page web conçue pour inciter les visiteurs à fournir les informations de contact. Donc en échange d'une valeur telle qu'un livre électronique, donc un PDF par exemple, un e-book gratuit bien sûr, un guide pratique, une vidéo de formation, etc. Donc en gros, vous allez offrir un cadeau en échange d'un email. Quelques petits exemples de pages de capture ici, vous voyez, je vous offre donc le premier chapitre de ma méthode. Donc ensuite, on peut imaginer le tunnel avec la vente de l'e-book en entier. Et ici, donc, une page de capture qui renvoie vers la réception offerte d'un e-book également. Et puis, on peut imaginer proposer ensuite eh bien, nos services, nos prestations, nos produits ou nos formations à vendre. Quelles sont les stratégies de promotion de notre page de capture? Parce que créer une page de capture, c'est bien, mais encore faut-il savoir où la mettre et quoi en faire. J'ai remarqué cette erreur chez beaucoup de blogueurs, beaucoup de blogs n'ont pas de page de capture à leur site web. Ça, c'est bien dommage parce que du coup, sur un blog ou un site, bien, les personnes arrivent comme cela et s'il n'y a pas un cadeau gratuit en échange d'une adresse mail, eh bien, elles visitent et elles ressortent la plupart du temps. Et ce sont des prospects que vous ne reverrez jamais. Alors que si elles s'inscrivent pour quelque chose de précis, eh bien, vous allez pouvoir les relancer ensuite avec une stratégie d'emailing pour leur faire connaître vos services, vos offres, vos formations et leur apporter de la valeur bien évidemment. Donc on va placer nos appels à l'action et nos liens vers la page de capture donc sur notre site web, sur la page d'accueil et également sur les articles de blog. Donc on peut avoir plusieurs lignes magnètes, c'est-à-dire plusieurs pages de capture. Donc par exemple, là je vous ai mis eh bien, une page de capture d'un site. Et vous voyez que dès qu'on arrive sur le site, on a tout de suite un appel à l'action avec un cadeau offert. On peut utiliser bien sûr les réseaux sociaux pour promouvoir notre page de capture. Et donc, on va pouvoir partager notre page de capture sur Facebook, sur Instagram, TikTok, YouTube également. Bref, tous les réseaux sociaux que l'on connaît et qui vont pouvoir eh bien, attirer des personnes contre un cadeau gratuit sur votre liste email. Vous allez pouvoir comme cela construire votre liste email au fur et à mesure avec des prospects qualifiés que vous allez pouvoir eh bien, relancer ensuite par email pour garder le contact et proposer vos offres, vos services et vos formations comme je disais tout à l'heure. Et on arrive enfin, je n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, à l'email marketing. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Donc pour attirer notamment également les personnes, si vous avez déjà une liste email notamment, vous allez pouvoir leur envoyer des emails ciblés avec une page de capture par exemple pour leur fournir eh bien, un cadeau gratuit et ensuite qui renvoie donc sur le tunnel de vente puisque généralement on a une page de capture qui renvoie vers un tunnel de vente, une proposition de formation, de service, de produit, d'affiliation ou autre. Alors quels sont les éléments clés d'une page de capture réussie? Il va falloir faire attention, donc une page de capture c'est le plus simple possible. On a vu tout à l'heure voilà, des pages de capture très minimalistes où il y a un titre accrocheur, donc qui percute tout de suite le visiteur et qui lui parle dès les premières secondes. Il faut qu'il se sente concerné. Par exemple, donc je vous ai mis « Découvrir les secrets pour augmenter vos revenus en ligne dès aujourd'hui ». Donc un titre avec une cible et un résultat. Une offre, une offre irrésistible, donc votre offre doit être attrayante bien sûr et elle doit donner envie de télécharger le cadeau offert. Donc par exemple, là je vous ai mis « Télécharger gratuitement notre guide exclusif, les 10 étapes pour réussir votre marketing en ligne ». Ensuite, on va s'intéresser à une petite description, alors vraiment la plus petite possible, mettez en avant les avantages, les résultats ou les problèmes des personnes. Par exemple, ce guide complet vous dévoilera les stratégies éprouvées pour attirer plus de clients et augmenter vos ventes en ligne, vous permettant ainsi de faire croître votre entreprise de manière exponentielle. C'est un exemple, évidemment, vous l'adaptez à votre cible. En tout cas, voilà, faites court. Il ne faut pas qu'une page de capture ce soit excessivement long. Il faut que ça capte tout de suite le regard, qu'on ait toutes les infos
au même endroit. Et ensuite, bah, pour terminer, le fameux appel à l'action, soit le CTA, qui bien sûr va encourager les personnes à passer à l'action. Donc vous allez pouvoir mettre, par exemple, obtenez votre exemplaire gratuit dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous. Et vous allez pouvoir, pour ceux que ça intéresse, retrouver deux ressources gratuites. Donc une page de capture classique que vous allez pouvoir télécharger sur votre tableau de bord système IO et bien modifier à souhait selon vos besoins. Et également une page de capture multilien qui va vous servir à intégrer dans vos réseaux sociaux tous les liens nécessaires vers vos différentes offres, services, réseaux sociaux, etc. Donc je vous laisse découvrir ça en description de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail précisément en mode tuto comment créer une page de capture. À bientôt donc.